Il paraît que ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un bain, que ses sous-vêtements se sont soudés ceux d'avant. Il paraît qu'elle a des gales sur ses jambes et qu'elle les donnerait à manger à ses 70 sachants pour qu'ils vivent éternellement. C'est écœurant, Marie-Louise, la vieille femme du village est victime de commérage. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai. Va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. Il paraît comme ses chats et ses féroces et ses voraces. La nuit, il faut qu'elle l'enferme dans une cage de brasse. Il paraît que c'est un énorme matou. Quand il est en diable, il saute au corps, il saute au cou, il peut griffer jusqu'à la mort. Celui qui ose s'aventurer près du décor de Marie-Louise, la vieille femme des moulins, fait placoter ses voisins. Ben moi, c'est le curé qui me l'a conté. Il y a tellement de oui tirs sur Marie-Louise. Ça sent pipi, pis vieux vomi. Quand elle t'arrête, t'as demandé qu'elle a un coup de feu. Il paraît qu'elle mange de la bouffe pour les chats. Et pis qu'elle pareille à vieille sorcière en pompeluche. Petite hutte, pâte de poule. Cours, petite, cours, petite, cours, cours, cours. Marie-Louise, pour la vieille femme du village des victimes de commérage. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai. Va-t-on savoir l'histoire de Marie-Louise? Marie-Louise, 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 Marie-Louise. Ah, ah, ah! Il paraît que ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un bain. Ses sous-vêtements se sont soudés sur ceux d'avant. Il paraît, il paraît, quand l'ambulance est arrivée, ils l'ont rentré à l'hôpital, ils l'ont pogné, ils l'ont trempé dans le mazout comme une vieille poêle enduite de croûte. Oh oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. Marie-Louise a rendu l'âme. Sa carapace était plus là pour la protéger de la rapace. Marie-Louise, la vieille fille des moulins, c'est bien valeur à ses déteins. C'est monsieur curé qui me l'a conté. Va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. L'histoire de Marie-Louise.